Il va y avoir des pulls, il va y avoir des gilets, donc c'est tout en laine. Hein. Le vêtement tricoté sera peut-être la tendance de l'hiver dans nos intérieurs un peu frisqués. À quelques pas de la basilique d'Épinal, un groupe de tricoteuses se retrouve pour partager leur passion autour d'un verre. Ici, pas de club ou d'association, mais depuis 2017, le rendez-vous ne se manque pas. On a un groupe sur Instagram et puis sur Discord. Et c'est moi qui diffuse les dates quand on propose des dates. Et voilà, et les filles s'inscrivent ou pas. Vient qui veut, quel que soit l'âge, les compétences, hommes ou femmes, même si ces derniers se font rares. Les tricoteuses viennent de tout le département et même au-delà. La passion du tricot est sans limite. C'est bien parce qu'il a une bonne tenue. J'ai l'occasion de venir régulièrement dans les Vosges parce que j'ai ma famille dans le coin, voilà. Et que du coup, une fois, je me suis invitée. Voilà. Et puis du coup, j'ai rencontré des amis, enfin qui sont devenus des amis. On s'est retrouvé une communauté et puis des personnes qui font la même chose, qui partagent les mêmes passions. Parce qu'à la maison, le mari, c'est pas trop son truc, le tricot. La mode du fait maison a conquis l'univers du tricot depuis 5 ans environ, accentué durant les confinements. Et l'engouement est tel que dans cette boutique de laine située à Bruyères, qui vend surtout en ligne, la gérante a dû embaucher. Avec les économies d'énergie demandées cet hiver, les aiguilles à tricoter seront-elles davantage de sortie ? Apprendre à tricoter maintenant pour cet hiver, je pense que ça va être compliqué de se faire un pull bien chaud déjà pour maintenant, pour les économies d'énergie. Après, ça servira toujours pour plus tard. Proportionnellement, par rapport à l'année dernière, depuis j'irai le 15 septembre, on voit qu'il y a plus d'activité. Maintenant, c'est difficile à faire la part. Est-ce que c'est parce que les gens veulent, pour avoir chaud cet hiver, se tricoter un pull ou un col, ou est-ce que c'est parce qu'on est toujours dans cette mode du faire soi-même ? Bonjour ! Vendeuse dans une boutique de créateurs de Saint-Dié, Denise est venue chercher sa commande. Du coup, à mettre en sac. Des pelotes bien chaudes et des fils de qualité. La demande ne cesse d'augmenter depuis septembre. Les gens viennent chercher des choses qui vont leur permettre de travailler avec des mains un petit peu chaudes, donc des mitaines, des coups ou des épaules un peu réchauffées, donc des petits châles, des tours de cou. On sent quand même une demande cette année pour ces ouvrages de laine, pour ceux qui font des chaussettes. Ça va revenir aussi tendance, la chaussette maison. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, certes, mais avec quel fil ? L'augmentation de la demande mondiale et celui du coût des énergies ont fait grimper la facture. Une pelote à 6 euros, avant la crise sanitaire, coûte plus de 7 euros aujourd'hui. Les gens essayent quand même maintenant de trouver des belles matières, des matières naturelles, qui vont durer dans le temps. Parce que bon, la fast fashion, on voit bien, on achète un t-shirt et au bout d'une semaine, il est déjà tout détendu. Ben non, le tricot, refaire soi-même par le tricot, c'est aussi redevenir maître un peu, ne plus tomber dans cette consommation excessive. Quelle matière choisir ? Le mérinos. Là, vous allez être sur quelque chose qui sera assez noble, chaud, mais très doux également. Les tricoteuses rencontrées s'accordent à jeter leur dévolu sur les laines naturelles, une matière chaude, thermorégulée et plus agréable à faire glisser sur les aiguilles.